Salut à tous, c'est bien, Magic Arena FR. Comment ça va fou Ça va très très bien et toi Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les fameux decks budget. Vous les attendiez, ils sont là. On vous avait prévenu, pas d'énormes nouveautés dans cette sélection de decks budget du coup, euh, par rapport à la dernière fois. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et le but, comme vous le savez, euh, quand vous présentez ce deck budget, c'est de vous faire craft quelque chose qui va être solide, qui va être efficace pour faire vos quêtes, pour euh, grimper un petit peu le ladder sans euh, casser votre tir-lire à wildcard à Joker. Euh, on prend en compte du coup qu'on vous fait crafter des rares ou des métiers qui seront réutilisables dans d'autres decks sûr. ou dans ces mêmes decks en version non-budget si vous aimez les jouer. Et du coup, plutôt que de vous présenter Waouh, le nouveau deck vampire budget machin euh, bah c'est nul, un deck vampire budget, c'est pas très bien comparé en tout cas au deck qu'on a sélectionné. Du coup, euh, on reste sur, euh, sur trois decks qu'on a déjà présentés et un quatrième qui lui pour le coup est nouveau. Avant de commencer, ouais. on va commencer par les Z budget. Euh, petit pouce bleu si situation de confiance, ça fait plaisir. Si vous voulez nous follow, euh, nous follow, euh, follow c'est facile, voilà. c'est n'importe quoi. Vous cliquez partout euh, sur n'importe quel euh, réseau dans la description euh, et, vous, et vous y êtes. Si vous voulez nous soutenir, ça passe par nos sponsors, euh, par exemple. Merci beaucoup, Play in My Magic Bazaar. Code Valet 2021 sur leur boutique. Ça nous soutient quand vous utilisez ça vous donne des points de fidélité quand vous utilisez. Tout le monde est content. Et si vous voulez payer vos jeux moins chers, vous pouvez passer par Instant Gaming, dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, vous achetez les jeux chers, ça nous soutient aussi. Merci à tous. Merci à tous. On va même plus loin en fait, au-delà de recycler les wildcards euh, qu'on vous présente dans ces decks budget, en fait, les quatre decks qui vous sont présentés sont tous des decks qui ont une version compétitive à terme. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par un deck budget, euh, vous craftez quelques cartes et après vous recyclez ces cartes dans des vrais decks. Ces quatre decks-là ont vocation à devenir des vrais decks du format compétitif jouable en BO3. Et c'est pour ça du coup qu'on les a sélectionnés aujourd'hui. Exact. Commençons par IZ Budget. Alors IZ, on l'a déjà présenté, mais c'était plutôt un IZ Dragon euh, ouais. euh, mid, enfin, mid Control, alors... on va dire. Le dernier IZ qu'on a présenté lors des decks budget, c'était un deck avec Dragon d'Orpont et Alrond d'Epiphanie. C'était les 8 mythiques du deck et l'entièreté du deck à côté était Commune et Unco. Si jamais ce deck-là vous intéresse, vous pouvez vous référer à la dernière vidéo budget qui est sortie il y a à peu près un mois et demi, deux mois. Et là, on est parti plutôt sur une version IZ contrôle. Ça anticipe un potentiel ban d'Alrond d'Epiphanie je sais quoi, là, les gens en parlent, je ne suis pas sûr que ça arrive, mais dans le cas où ça arrivait, on préférait avec Belle vous présenter une version avec horreur Briscock, qui est un petit peu la nouvelle carte de Crimson Bow, et qui sera tout aussi efficace pour euh, se battre sur le ladder. Là, on est parti de la liste de 7 Manfield, et on l'a juste budgétisé. Les seuls rares que vous avez à crafter, c'est les Horror Briscock et delayer. Ils sont des mythiques, ouais. du coup, les mythiques, vous en avez quatre euh, ou cinq, je crois, quand vous commencez le jeu. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous commencez le jeu, double disclaimer, suivant quand vous regardez cette vidéo, si c'est Éloigné de, de un mois et demi, deux mois, euh, enfin plutôt deux mois, deux mois et demi de la date de sortie. Attendez un petit peu, puisqu'il y a une extension qui risque d'arriver dans pas très longtemps, et du coup, euh, changement de méta, etc. Euh, ça peut valoir le coup d'économiser un petit peu vos card et de rester sur des decks budget plutôt que de crafter des gros decks tout de suite et que la méta change. Petit disclaimer numéro 1 et disclaimer numéro 2. Si vous êtes débutant, etc., déjà on a des playlists tuto pour apprendre à jouer, apprendre l'économie du jeu, qui est très important. Et au-delà de ça, il y a un euh, site, vous tapez code gratuit MTG Arena, vous le trouvez euh, très facilement, où vous pouvez rentrer du coup des codes pour avoir plein de boosters gratuits euh, et des cosmétiques, etc. Et quand vous commencez, ça vous donne du coup, euh, je crois, euh, euh, 4 ou 5 wildcards supplémentaires en plus de celles que vous allez ouvrir dans les boosters. Et c'est super important de faire ça, donc pensez-y. Exact. Ensuite, on revient sur la decklist. Euh, donc voilà, comme la Dival, les, euh, les mythiques et les rares qui sont craftés euh, sont peu nombreuses. Aucune euh, autre rare ou mythique dans la decklist. Vous en retrouvez seulement deux dans le side qui sont des leçons. Euh, pourquoi un side alors que vous avez certainement joué en BO1 Parce qu'en fait, il y a des cartes comme divisé par 0 qui vous permettent d'aller chercher des leçons dans le side. Et du coup, on en met 7 parce qu'on n'a pas le droit à plus en BO1 pour juste euh, avoir plein de choix. Sortie des mascottes et enseignements sont des rares et des mythiques, mais euh, sortie mascotte c'est assez important. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux pour en jouer qu'une, c'est pas très grave. Euh, oui, euh, très important à aller chercher, et vous allez voir que dans les autres decks budget, euh, on se sert aussi des leçons en side. Euh, et il y a toujours une sortie des mascottes. Donc c'est pas. Enfin, euh, euh, n'hésitez pas à la craft la sortie des mascottes pour la mettre dans le side. Pas forcément une deux mais au moins une. Ce sera vraiment utilisé dans plein d'autres decks budget. C'est simple, dès qu'on joue en BO1, et vous allez le voir dans toutes les decklists budget qu'on va vous présenter, dès qu'on joue en BO1, on joue avec des leçons en side. Et Sortie mmh. des Mascottes, c'est une staple, c'est-à-dire que c'est une carte qui sera réutilisable dans plein de decks, qu'importe le format. Donc en crafter une, c'est ce qu'on appelle un craft sûr. Exactement. Enseignement des archaïques, à limite, si vous avez plus de rare wild card, c'est pas trop grave de pas l'avoir. Euh, vraiment, non. si vous devez crafter qu'une des deux, c'est plus Sortie des Mascottes. Autour de ça, euh, bah, c'est un deck euh, qui est pas forcément... Euh, très complexe à jouer euh, mais si vous débutez débutez sur le jeu orientez-vous plutôt sur les decks créatures qu'on va présenter euh, juste après euh, le but de ce deck bah, c'est de gagner en faisant un maximum de value avec l'ire Disciple des Noyés qui vous permet de rejouer toutes les cartes de votre cimetière enfin toutes les cartes d'éphémère et de rituel de votre cimetière parce qu'elles acquièrent le flashback qui est du coup une mécanique permettant de les jouer pour leur même coup depuis le cimetière et du coup de les euh, le jouer une seconde fois et Horreur qui va venir clore la partie, parce que déjà c'est une 7-8 qui va tuer en 3 tours l'adversaire, s'il n'y a pas de bloqueur. Et chaque sort que vous lancez euh, va soit renvoyer un sort dans la main de son propriétaire, soit renvoyer un permanent non-terrain dans la main de son propriétaire. Donc Vous allez booncer les créatures, booncer les sorts, faire des espèces d'effets contre-sorts, entre guillemets, grâce à l'Horreur Briscoe et à tous vos autres spells. Et c'est pour ça qu'on a plein de petits sorts pour tempo euh, en début de partie et ne pas mourir avec des anti-bêtes comme Blame Fulminant, euh, Morsure de Gel, Sandroclasme. Des boons comme espoirs volatilisés, des piocheurs, itérations expressives, scrutés, euh, au bénin attendu et divisé par 0 qui agit comme un contre qui en plus vous fait chercher une leçon euh, dans votre side du coup pour euh, bah, soit aller chercher un petit land, gagner des points de vie, soit sortir des mascottes en late game pour euh, tempo le board ou gagner la partie. Et euh, en fait on ouais. veut temporiser jusqu'à trouver l'ir qui permet de rejouer plein de sorts et du coup euh, là on verrouille la game euh, puisque l'adversaire ne revient pas. Pensez à jouer d'ailleurs des espoirs volatilisés. Euh, avant de jouer, lire, il sort dans la voie au cimetière et de pouvoir sauver votre lire en faisant espoir de vous sur elle-même. Et, et Horreur Briscoque qui va aussi euh, juste terminer la partie parce qu'une fois que c'est posé, si l'adversaire ne la gère pas instantanément, ce qui est assez difficile à faire, euh, bah vous allez juste gagner la partie parce que tous vos sorts ont un effet supplémentaire et c'est win. C'est ça. Alors il y a une petite interaction qui est sympa, c'est qu'on joue Aubaine inattendu euh, au-delà de ça, au-delà de piocher des cartes, parce que ça permet de générer deux trésors. Et en fait, si vous faites fin de votre tour 4 Aubaine inattendu, puisque c'est un éphémère, que vous piochez deux cartes et que vous euh, créez deux trésors, et bien lors de votre tour 5, vous avez 7 manas pour pouvoir jouer votre horreur briscoque. Et donc ça se curve, c'est-à-dire que vous pouvez enchaîner les deux cartes de manière tout à fait naturelle. Et c'est pour ça qu'on joue les Oben inattendu plutôt qu'un autre piocheur euh, qui sont Légion d'ailleurs dans le format actuellement. Exact. Euh, decklist de toutes les euh, decklists qu'on présente dans la description, bien entendu. Si vous voulez voir un petit peu plus en détail les cartes, ce qu'elles font, etc., n'hésitez ben, pas à prendre la decklist, l'ajouter sur votre jeu. Même si vous n'avez pas les cartes, vous pouvez le faire. Et du coup, vous pouvez euh, un peu plus analyser la decklist, ce que font les cartes, etc. Parce que euh, faire quatre deck tech, là, ça prendrait sinon pas mal de temps. Et Je vous, êtes vous mettrai... À je vous mettrai bien évidemment en lien dans le, la description le site MTG Top 8 et vous trouverez un upgrade compétitif, donc avec plus de rares et de mythiques, de chacune de ces decklists. Donc ça vous permettra de crafter ces listes budget et de pouvoir les améliorer petit à petit en rajoutant des cartes. et euh, eh bien, euh, si vous avez un petit peu plus de jokers, vous allez sur MTG Top 8, vous allez voir le site est extrêmement fonctionnel. Pas très esthétique, mais très fonctionnel. Et vous trouverez très facilement ces mêmes decks-là, mais avec quelques rares supplémentaires. Et euh, ensuite passons à Winnie White le, le ouais. genre de deck créature dont je vous parlais juste avant Winnie White qui était euh, un des meilleurs decks budget euh, lors de notre dernière vidéo il y a deux mois, qui là est quand même un petit peu moins fort que ses euh, autres comparses, ça reste quand même un, un très très bon deck, c'est juste que avant ce deck là était un deck budget tout à fait euh, améliorable et donc qui devenait un très bon deck compétitif là la version budget s'est beaucoup éloignée de la version compétitive la version compétitive requiert beaucoup beaucoup de rares pas forcément des mythiques, mais beaucoup de rares et donc du coup bah, l'upgrade risque d'être assez long, cela dit on a quand même un deck très agressif, qui veut essayer de euh, créer beaucoup de, de créatures sur le board pour attaquer rapidement les points de vie de l'adversaire. Et ça, pour le coup, la promesse de ce deck, elle, elle, elle la tient plutôt bien. Euh, vous allez jouer beaucoup de tour 1, donc les clairs du sort code, les escortes de l'enbok et les majordomes des morts ainsi que les moines de la main ouverte. Pour commencer à jouer rapidement et pouvoir mettre la pression avant que l'adversaire puisse stabiliser votre board ou alors euh, gérer avec des anti-bêtes. Et puis ensuite, bah, vous avez euh, l'esprit au clairon qui, lui, à chaque fois que vous jouez deux sorts dans le même tour, va générer. Un créature jeu, une créature jeton un, un blanc esprit avec le vol. Donc, pareil, ça permet de passer au-dessus des, des créatures de l'adversaire qui n'auraient pas le vol générer un board très très large pour pouvoir aller vite mettre à mal les points de vue de votre adversaire. On joue des professeurs de symbiologie c'est très important parce que ça permet d'aller chercher les leçons. On en revient à ces fameuses leçons dans votre side notamment bah, la sortie euh, des mascottes ou alors une petite invocation d'encrelin pour pouvoir mettre des, un petit token fly et donc du coup encore une fois mettre des dégâts qu'importe les bloqueurs de l'adversaire vous avez la seule rare que l'on vous demande de crafter dans ce deck là parce que c'est la carte la plus puissante de mono blanc en tout cas à notre sens c'est celle qui est la plus utile il y a beaucoup d'autres rares qui sont très très bonnes si jamais vous voulez voir les upgrades compétitifs de ces listes là. Euh, mais Aspirante au Luminar, c'est une 1-1 pour 2 qui, au début de votre combat, met un marqueur plus 1 plus 1 sur n'importe quelle créature que vous contrôlez, elle y compris. Donc, c'est un marqueur par tour pour une carte qui va arriver très rapidement dans la partie et ça synergise très très bien avec l'escorte d'Olenbok parce que l'escorte d'Olenbok elle permet de se sacrifier pour protéger une créature qui a un marqueur. Donc, vous êtes potentiellement euh, enclin à, à protéger n'importe quelle créature de votre board. Si jamais vous avez déjà joué une aspirante au luminarque, ou alors si vous aviez joué un courage à la ferme au préalable. Courage à la ferme, c'est le petit drop 1 qui permet de mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur n'importe quelle créature de votre board. Ça se flashback pour un mana, donc vous pouvez mettre un deuxième marqueur pour un mana supplémentaire. Ça synergise à la fois avec l'escorte de Lenbok et à la fois avec l'esprit au clairon, parce qu'en un, en une seule carte vous allez être capable de lancer deux sorts et donc du coup de générer un petit token à un fly. Donc voilà, vous l'avez compris, le but c'est de générer plein de créatures, d'attaquer très vite l'adversaire avant qu'il stabilise. Le défaut du deck, c'est qu'il n'a pas de late game, c'est-à-dire que si votre adversaire stabilise, a assez danti et arrive à clean votre board, eh bien vous aurez du mal à relancer la partie. Là où la version très compétitive de ce deck là va pouvoir retarder les plaies de l'adversaire et avoir un petit peu de ce qu'on appelle du grind game pour pouvoir un petit peu se relever euh, à la fin de la partie. Exact. Voilà, après les, les cartes dont on n'a pas parlé, c'est le guerrier bal bouclier. Qui est un moyen, quand vous avez un board très très large, de donner plus un plus un à toutes vos créatures pour faire une phase d'attaque létale et aller vite tuer votre adversaire. Et vous avez ensuite cette bonne carte de draft qui est le capitaine de l'équipe de recherche, qui lui vous permet de piocher un petit peu. Vu que vous allez avoir beaucoup de tour 1 et de tour 2, vous allez vite avoir beaucoup de créatures sur le board. Vous allez attaquer avec beaucoup de créatures et donc lui va vous permettre du coup d'être une 2-2 pour 1 qui vous fait piocher une carte. Ça vous permet d'avancer dans votre deck et ça marche très très bien. Yep. Euh... Si on doit upgrade cette decklist là, je le, je le montre, euh, la première carte à mettre c'est 4 havres sans visage et du coup vous enlevez 4 plaines et les, 4 plaines, euh, les plaines vous les transformez en plaines enneigées pour pouvoir utiliser le havre sans visage, très important euh, ce sont des terrains que vous avez de base, des plaines enneigées donc euh, vous inquiétez pas euh, ce ça. havre sans visage en fait il va vous permettre de finir les parties contre les decks un peu contrôle qui ont vras, c'est à dire qui ont fait des effets de destruction de masse de vos créatures et euh, bah, avec ce deck là comme vous avez dès le tour 1 Envie de poser des créatures. Au tour 3, vous allez souvent avoir 3, 4, voire 5 créatures, suivant ce que vous avez fait comme sortie, euh, pour agresser l'adversaire. Mais lui, à partir du tour 4, euh, il peut détruire toutes vos créatures, voire même à partir du tour 3. Et du coup, quand vous vous retrouvez euh, sans le sou, avec plus aucune créature, plus trop de cartes en main, c'est dur d'aller mettre les derniers points à l'adversaire. Alors qu'avec des cartes comme Havre sans visage, qui est parti, c'est pas très grave, je le remets. Hop là, euh, bah, vu que quand il le détruit, ce n'est pas une créature, c'est un terrain, il reste sur le champ de bataille et ça vous permet d'aller mettre 4 points tous les tours. Euh, Tranquille Bilou. Donc ça c'est une carte qui euh, est jouée dans plein d'autres decks. Et c'est la première carte à ajouter à ce deck là. Si vous voulez euh, continuer à jouer mono blanc, etc. Attention, comme disait Val tout à l'heure, la version mono -blanc compétitive, elle requiert pas mal de jokers rares mais c'est un des meilleurs decks du format. Donc si vous aimez ce gameplay là et que vous voulez un peu le transformer, ça, vous, ça va vous changer. Vous n'allez pas jouer exactement de la même façon en plus. Bah vous pouvez vous orienter vers mono blanc non-budget, c'est très cool. C'est ça, c'est un deck budget qui, lui, va demander pas mal de temps d'amélioration, là où les autres decks budget qu'on vous présente euh, auront un temps d'amélioration beaucoup plus court. Mais c'est une alternative euh, pour ceux qui veulent jouer des decks très très agressifs. Mm. Je mentionne euh, MTG Top 8 encore une fois, allez voir la liste mono-blanc non budget si jamais vous avez des wildcards en plus pour pouvoir l'upgrade. Il y a beaucoup de rares, notamment comme l'apparition du fort céleste ou le Qatar brutal, qui sont vraiment extrêmement importantes dans les listes mono-blanches. Yep. Ensuite, on passe à... Euh, Qu'est-ce qui bat Mono Blanc Finalement. Ah, et ça, ça le bat très très bien. Ça, c'est un yep. des meilleurs decks du standard BO1. Et pour le coup, même si on peut dire que c'est une version budget, on est quand même sur une decklist déjà très très proche de ce qui se fait de manière compétitive. Ouais. Il ne manque pas grand-chose. Le but du deck, c'est un, un deck contrôle, euh, du coup, mais contrôle avec des créatures. Euh, pas pas contrôle old school hein, pour ceux qui ont euh, joué à Magic il y a longtemps et qui reviennent un petit peu euh, s'y remettre avec Arena. On vous voit, on vous voit. Voilà, je sais qu'il y en a parmi vous qui nous regardé Qu'est-ce qu'on va faire dans ce deck On va jouer euh, des dropins qui sont blême Titubante et Space qui vont avoir des effets euh, quand elles meurent et on va les sacrifier avec Dispute Mortelle ou contre les créatures de notre adversaire. Euh, si jamais euh, on joue contre Monoblanc gros par exemple, ou on les sacrifie avec Marchande de, de, de Port Crane, pardon, ou on les sacrifie avec Piqueur Sinistre. Qu'est-ce que ça fait tout ça Ça fait la même chose, ça fait piocher des cartes quand on sacrifie une créature, ou bien un artefact dans le cas de dispute mortelle, et elles-mêmes vont faire leur effet de mort quand on les sacrifie. Donc la blême petite on va faire moins moins 1 à une créature ou créer un jeton de trésor, donc faire un petit peu d'accélération. Et le spasme, il va apprendre donc à aller chercher une leçon. Vous voyez, ça fait 3 decks qu'on vous présente, trois fois qu'il y a des leçons dans le side, donc ça c'est des crafts sur. Voilà. N'hésitez pas si Il y en, en aura toujours en B1. Voilà, toujours. si vous aimez euh, jouer un petit peu euh, différents decks, budget, savoir ce que vous aimez quand vous découvrez le jeu. Vous pouvez commencer par crafter les leçons puisque que vous les retrouvez dans tous les decks. Ensuite, on a aussi euh, Chasse aux Spécimens. Donc ça, c'est le deck qui va le plus chercher euh, de leçons dans son side puisque vous avez 8 façons d'aller en chercher alors qu'il n'y en a que 7. Euh, alors que les autres decks, souvent, il y en a plutôt 4 en général de façon de chercher de leçons pour 7 cartes dans le, dans le side. Chasse aux Spécimens qui met un token qu'on peut également sacrifier facilement et euh, on apprend, euh, du coup, on va chercher une leçon. 4 anti-bêtes, euh, ça tue n'importe quoi, on perd 2 points de vie. Euh, les sorts de pioche qui en plus temporise très bien la groupe, parce qu'on a un 1-4 qui bloque très bien ou une 3-2 qui trade contre n'importe quelle créature parce qu y a un contact mortel. Oui, et puis nos tourains arrivent très rapidement dans la partie pour tenir le board. Oui. Et il faut savoir qu'une blême titubante, par exemple, ça tue très très bien les créatures de mono blanc. Donc euh, oui. ces créatures-là, elles vous servent à avoir des effets de mort quand vous les sacrifiez, mais elles vous servent surtout à tenir le board en début de partie. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que ce deck-là est extrêmement puissant contre tous les jeux créatures du format. Et en plus, si jamais vous tombez contre un deck un peu contrôle, bah les créatures sont pas mortes, vous allez juste mettre la pression euh, à l'adversaire euh, avec en début de partie. Comment on finit la partie avec tout ça On a l'ALT Reine-Araignée qui va créer des euh, 2-1 euh, menaces portées araignées euh, dès qu'elle arrive en jeu, et quand vos créatures vont mourir en les sacrifiant, en les bloquant. Euh, Contre les, les créatures adverses, et vous allez mettre des marqueurs loyauté sur l'olt qui vous permet de recréer des araignées, etc. Et en fait, vous allez gagner à, à l'attrition contre vos adversaires. Petit à petit, en allant chercher un peu des leçons, en piochant des cartes, en jouant des l'olt, euh, en piochant des cartes avec l'olt aussi notamment, euh, l'adversaire va se retrouver avec plus beaucoup de créatures, plus beaucoup de ressources, alors que vous vous en aurez toujours, vous aurez toujours du gaz. Et euh, à un moment donné, vous pourrez peut-être même faire un moins 8 de l'olt. Et euh, ça tuera très vite l'adversaire, même si ce n'est pas forcément le but du jeu. Et euh, seulement l'autre, vous allez dire, ouais, mais quand elle fait moins 3, elle arrive à, avec un marqueur de loyauté, elle meurt facilement, etc., même sur si bloc. Et mais c'est pas grave, parce qu'on a du sang sur la neige. Si Mana Rituel Neigeux, vous le lancez euh, en payant du coup avec vos Mana Neigeux pour avoir un effet supplémentaire. Premier effet, vous détruisez toutes les créatures ou tous les planeswalkers, l'un ou l'autre. Souvent, vous allez détruire toutes les créatures. Puis, euh, vous renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ou de planeswalker avec une, mana, euh, une valeur de mana inférieure ou égale à X, X étant la quantité de mana neigeux dépensée. Donc, ce sera toujours 6 dans ce deck puisque vous n'avez que du mana neigeux, sauf si vous utilisez un trésor. Mais si vous utilisez un trésor, c'est pas grave puisque le but c'est de dépenser au moins 5 mana neigeux pour ramener l'alt sur le champ de bataille. Et une fois que vous détruisez tout, vous ramenez l'alt. L'alt crée 2 jetons araignée. Alors qu'il n'y a plus rien sur bataille puisque vous avez tout détruit. L'adversaire il rejoue des trucs, c'est pas grave, on refait du sang sur la neige, on ramène l'autre, on refait les araignées, etc. Et c'est un. Alors c'est pas sans fin non plus, puisque vous avez que 4 de chaque. Mais l'OLT, techniquement, vous pouvez en jouer 8 par partie. Ouais, en tout cas, c'est assez pour battre l'entièreté des ressources de l'adversaire. C'est ça que PL veut dire par attrition. En fait, le, le deck est, est inépuisable à côté de, de, du deck de l'adversaire, notamment si votre adversaire joue un deck créature bon, bah à un moment, vous allez clear tout son board, avoir le l'alt, il a beau en recréer, vous pourrez le reclear, et en fait, du coup, vous allez battre ce qu'on qu appelle théoriquement battre tout son deck, et ça, et ça marche très très bien. Je précise que pour ce deck-là, à mon sens, c'est le deck le plus puissant, vraiment le plus puissant qu'on peut vous proposer de crafter lors de, ce, euh, lors de cette vidéo budget. Par contre, à contrario, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est probablement le moins puissant dans la version compétitive en BO3. Mmh. C'est à dire que le delta de ce deck il est très faible en fait. Le deck est plus puissant que les autres en version budget, mais moins puissant que les autres en version compétitive. Donc, pour ceux qui sont très pressés de vite monter sur le ladder, c'est un très très bon deck. Mais pour ceux qui voient un petit peu Magic Arena sur le long terme, qui ensuite espèrent jouer en BO3 de manière plus compétitive, c'est pas le meilleur deck dans lequel investir. Voilà, ça c'est un très bon deck de BO1, un très bon deck pour commencer à jouer, mais vraiment très très bon. Exact, très bon deck qui, euh, qui va très bien mono blanc et souvent les gens euh, qui jouent budget euh, commencent par mono blanc, euh, ce qui est une très bonne chose. Bah du coup, si vous voulez prendre le contre-pied, vous pouvez commencer par mono noir. C'est un peu plus complexe à jouer euh, parce que toujours quand on commence, c'est plus simple d'être proactif, c'est-à-dire de mettre des créatures, d'attaquer l'adversaire et c'est à lui de gérer. Euh, même si euh, après dans le milieu compétitif c'est for plus forcément vrai euh, que les decks agressifs sont plus simples à jouer Ouais c'est easy to mais... learn mais hard to master les decks agressifs Voilà en tout cas d'être proactif c'est toujours plus simple puisque c'est vous qui proposez euh, l'action en tout cas quand vous commencez Ça c'est un deck euh, bah, proactif réactif du coup des fois vous allez juste jouer vos cartes euh, et c'est l'adversaire qui doit gérer Et des fois c'est l'adversaire qui vous agresse et vous vous devez euh, faire les bons blocs, prendre les, les bonnes décisions euh, tuer, euh, tuer ce qu'il faut tuer etc ça demande un peu plus de connaissances mais ouais. assez simple euh, dans le fonctionnement aussi donc c'est les, les deux decks que je conseillerais et encore ouais, une fois ça, ça reste sans de visage. Façon pas mal plus proactif que les versions Izet et dimir hein, donc ouais. euh, euh, ça reste visage. Euh... très bon ajout au deck si vous les avez craftés pour mono blanc ou si vous hésitez encore à les crafter bah regardez vous pouvez en mettre 4 dans ce deck là aussi euh, ça marche très très bien tac mais vu que c'est pas un deck agressif si vous les avez pas c'est moins grave que mono blanc c'est beaucoup moins grave effectivement. Mais Donc, comme termine. le deck a un petit peu... Euh, en fait, le problème de ce deck-là, là où on vous dit qu'il est très très fort pour commencer, c'est parce qu'il va bien battre tous les jeux créatures et les débutants commencent avec des jeux créatures. Par contre, dans sa version compétitive qui va être jouée du coup en BO3, pourquoi est-ce que ce n'est pas du tout le meilleur deck Parce qu'il a du mal contre les jeux contrôle et donc du coup Havre sans visage ça vient renforcer un petit peu ses match ups contre le jeu contrôle au même titre que Havre sans visage dans les decks mono blanc donc si jamais vous l'avez n'hésitez pas à le rajouter bien évidemment on passe maintenant au dernier deck qu'on voulait vous présenter c'est Dimir lire Control qui lui requiert 4 rares et 3 mythiques juste ici envoûteuse de tourbejon et trois mythiques lire qu'on retrouve aussi dans le deck Z donc vous voyez il y a pas mal de cartes en commun par-ci par-là hormis les leçons que du coup si vous craftez pour un deck vous pouvez les jouer dans d'autres euh, et au-delà de les jouer dans des decks budget, vous pouvez les jouer dans un deck pas budget ces cartes-là. Le but de ce deck là, donc, ça va être un deck contrôle, mais euh, un peu plus contrôle, euh, plus classico disons, que le mono noir contrôle qu'on vous a présenté. Déjà il y a du bleu, donc euh, plus classico dans, pour un deck contrôle. Et euh, il y a un plan de jeu assez cool avec l'envoûteuse et l'IR. Bon Lyre on vous la représente pas, on joue plein de spells, on les rejoue à la fin avec Lyre, on a gagné la partie, c'est super. Mais au-delà de ça, on a l'envoûteuse de Jean, qui va être une créature bah, qui peut mettre très bien la pression des contrôles parce que euh, c'est une 3-2 menace qui euh, nécessite de payer 3 points de vie si on veut la cibler avec un sort, donc ça va au moins enlever 3 points de vie à adversaire. Et chaque fois qu'on va lancer ou copier un éphémère ou un rituel, on va créer un jeton 1-1, du coup avec un seul, euh, une seule créature, et tous nos petits spells à côté, on va créer plein de, de jetons qui peuvent mettre la pression à l'adversaire, et ça peut même agresser des decks euh, un peu midrange. donc pas forcément aggro, mais qui mettent une bête par tour, style mono-vert. Euh, ça, ça marche assez bien. Ouais. Alors c'est plus euh, complexe à jouer parce que là vous vous entrez dans des notions de tempo, de contrôle, de décision qui euh, au début ne sont pas forcément évidentes mais euh, vous pouvez très bien vous en sortir avec ce deck en budget si vous avez un peu d'expérience dans les TCG, si vous reprenez magic ou quoi, que vous aimiez bien les genres de decks tempo-contrôle, ça c'est un super deck à jouer. On a plein de spells pas chers, ouais. des boons, des piocheurs, des anti euh, de la défausse, que vous pouvez aussi jouer pour 3 malas, si, euh, si vous voulez enlever n'importe quel 4 adversaire. Des contres avec perturbation de joie et divisé par 0. Ça contre pas, mais je le considère comme un contre, puisque vous envoyez un sort dans la main. Euh, C'est un contre de tempo plutôt qu'un contre, contre clean. Quoi. Exactement. On ne cherche pas à, à battre la ressource de l'adversaire, mais à la retarder avec divisé par 0. Yep. Euh, des antibêtes encore avec euh, emprise infernale emprise parasitaire mot de pouvoir mortel pourquoi un petit peu de tout parce qu'en fait ils ont euh, chacun des défauts mot de pouvoir ne peut pas tout tuer en prise infernale vous fait perdre des points de vie emprise parasitaire inflige des blessures donc ne tue pas forcément euh, clean euh, et pour éviter de se retrouver avec euh, tout de l'un ou tout de l'autre qui pourrait être compliqué sur le match up on a un petit peu euh, un split euh, de la ouais, chef de le ce qui était intéressant notamment parce qu'on a lire dans le dans le deck et qu'on va pouvoir tous les rejouer depuis notre cimetière donc du coup là mais où si, on ouais. préfère avoir des carrés pour la stabilité là c'est pas trop trop mal d'en avoir euh, un ou deux exemplaires de chaque et, et pouvoir du coup bah, doubler ces ratios là grâce à notre lire exact et soit de chef de sang du coup qui peut tout tuer mais qui est plus cher parce qu'il faut le kicker pour détruire créature de c'est pour ça euh, que pareil on joue pas C'est important de, de pouvoir tuer l'Alt avec cette euh, soif de la chef de ouais. sang notamment, qui est la grosse mythique des decks noir contrôle qui pourra vous poser pas mal de problèmes. Ce qui est intéressant avec ce deck-là, euh, c'est que son upgrade compétitif, bah, c'est la mana base, c'est tout. Euh, sinon, mmh. là, vous avez littéralement la version compétitive du deck, jouable en tournoi et sur le ladder classé. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour commencer. Euh, ouais. Évidemment, comme les ZPL, c'est pas facile à prendre en main. Mais pour les plus euh, les plus motivés d'entre vous, au moins on vous fait la proposition. Et puis en fait, c'est un deck qui est très budget, quoi. Et quand vous avez euh, le loisir d'avoir quelques jokers rares, si le deck vous a plu, et ben vous pouvez euh, rajouter des, des terrains bicolores, ce qui rendra votre deck un peu plus stable. Yep. Et même si vous voyez là des terrains neigeux, ne mettez pas forcément d'avance en visage dedans. C'est pas pas forcément le but, vaut ah mieux bah... justement mettre des bilans de Dimir pour euh, de augmenter tout, améliorer le mana. De, la de toute masse. façon, une fois que vous avez euh, une fois que vous avez de quoi crafter les bilans de neige, les bilans de pardon euh, donc les, les terrains qui donnent à la fois du bleu et du noir, vous ne jouez plus les mana neigeux. Oui, voilà. Donc euh, ça, ça 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 vient. Et le la carte dont j'ai pas parlé, c'est des piocheurs sauf de découverte et complément de multivers. Euh, un des upgrades de la decklist, euh, je crois que c'est déluge de réminiscence, le nom. Moi je préfère contempler le multivers et okay. la liste qui avait top 8, jouer les contempler le multivers. Ah ok, euh... je pensais qu'elle jouait des luches, bah ben non, alors euh, oubliez ce que j'ai dit, on n'a même pas d'upgrade de, en de fait, dans, dans le fait que tu veuilles jouer des, des petits spells pour pouvoir euh, faire des procs sur ton envoûteuse et avoir du coup quelques okay. créatures 1-1, un, un, c'est pas si mal d'avoir plutôt contemplé le multivers qui ah, va te coûter beaucoup ouais. moins cher à jouer que des de réminiscence. C'est pas faux, c'est pas faux, ouais. Et sauf des découvertes, euh, trick ça assez sympa, c'est que euh, vous piochez 3 et vous défaussez 2 ou une carte de terrain de base. Mais euh, c'est pas grave de défausser 2 parce que vous avez l'ire. Donc si vous l'avez déjà sur le champ de bataille ou qu'elle est pas loin, vous pouvez défausser 2 sorts de votre main et vous allez quand même les jouer avec l'ire. Donc en fait, vous ne les avez pas défaussés virtuellement. quoi parce que Vous pouvez toujours les jouer. C'est ça. Ça, ça, vous avez plaisir. un décompte de terrain de base qui est assez important dans la liste, qui vous permet du coup de facilement en défausser un. Il y a aussi une petite subtilité que j'aime beaucoup il y a le port de cartel. Le port de cartel, il permet de se sacrifier et de réanimer une carte depuis votre cimetière. Donc, la plupart du temps, vous allez réanimer une lyre qui aurait été gérée par votre adversaire. Ce qui est quand même très très rare. Une lyre qui est sur le champ de bataille, c'est très très dur à gérer parce que vous allez pouvoir la protéger, parce que vous allez pouvoir retarder les anti de votre adversaire avec divisé par zéro, parce que vous allez pouvoir espoir volatiliser pour pouvoir la sauver et la rejouer. Mais admettons que ça se soit mal passé, vous pouvez du coup la réanimer grâce à cette carte-là. Très cool. Euh, vous n'avez pas besoin de le faire à votre tour, vous pouvez le faire pendant le tour de votre adversaire ce qui est très puissant et en plus ça meule 4 cartes donc ça peut vous trouver une créature que vous n'avez pas ou juste rajouter des sorts à jouer avec l'ire quand vous la réanimez donc euh, excellente carte synergique dans le deck et le side, et eh voilà hein, comme, euh, comme vous le disiez euh, tout au début euh, toujours les mêmes, hein, toujours les mêmes leçons l'enseignement que vous avez peut-être créé pour Izet qui se retrouve ici, la sortie de mascoté qui est également présente ici il euh, y a d'autres leçons euh, jouables, là où on vous met selon nous les meilleures, si jamais il vous en manque et que vous en avez d'autres, vous pouvez combler histoire d'avoir cette carte. Si vous n'avez pas celle-là, vaut mieux avoir cette carte et d'autres leçons plutôt que de pas toutes les mettre. Euh, toutes euh, pas les mettre. Voilà C'est gratuit. Pour voir, vous tapez juste leçon dans la barre de recherche et ça vous montre toutes les leçons et vous cochez les couleurs ensuite pour euh, pour ne mettre que les leçons que vous pouvez jouer, bien entendu. Et voilà, vous avez vu ce qui est, ce qui est intéressant du coup sur ces decklists budget, c'est que vous allez pouvoir recycler vos cartes dans des listes compétitives, mais aussi recycler vos cartes dans d'autres listes budget. En fait, il y a des espèces de ponts qui se mettent en place, qui va vous permettre peut-être de tester plusieurs list budget pour un moindre coût, définir quel est le jeu, le playstyle, entre guillemets, qui vous convient le plus, et ensuite upgrade ces, ces decklists-là. Moi, j'ai un ami récemment qui s'est mis du, du coup à Magic Arena avec nos dernières vidéos budget. Et il avait crafté à la fois Mono Blanc, à la fois Iset Dragon et à la fois Mono Noir Neigeux. Et il a pu un petit peu tout tester euh, et euh, choisir quel était le, le style de jeu qui lui convenait le plus. Et puis maintenant, bah, il est capable de jouer en BO3 en compétitif avec un de ses trois decks qui a été upgradé. Et ça, c'est plutôt cool. quoi. Ils sont... Vraiment, les, les quatre decks ne sont pas si différents dans les cartes qu'ils vous proposent. Il y a vraiment Mono Blanc qui se détache très, très. Euh, qui se détache bien de, de ces listes-là. Mais que, que c'est à dire Dimir, Iset ou Mono Noir, vous avez quand même quelques cartes qui s'intègrent à droite à gauche. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça vous donne en fait un, une espèce de formule restreinte de quelles sont les cartes impactantes du standard qui seront du coup des Top Craft. Yep, c'est la fin de cette vidéo. Petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, ça fait plaisir. Réseaux sociaux dans la description Twitter, Facebook, Discord. Euh, n'hésitez pas à nous dire euh, les résultats que vous faites dans les commentaires avec vos decks budget, etc. Peut-être qu'il y en a qui seront un peu frileux ou quoi, n'hésitez ben, pas à le dire. Que ce soit des bons ou des mauvais résultats, ça pourra aider euh, les autres à choisir. Euh, alors ça, c'est... On vous le dit par contre, les 4 decks sont euh, jouables, vous allez gagner des parties, etc. Oui. Il y en a certaines juste qui seront plus ou moins euh, faciles d'accès. Et suivant les decks que vous allez affronter aussi. Il y en a qui vont paraître plus ou moins fortes. Si vous affrontez que des mono noirs, les decks d'Ymir Dimir ou Izet seront très puissantes. Si vous affrontez que des monos noirs et vous jouez mono blanc, vous allez perdre pas mal de matchs. Ça dépend ce que vous affrontez. Mais n'hésitez pas du coup, vu que les cartes sont, enfin les decks sont assez budget et faciles à crafter, à en crafter peut-être deux qui sont différents pour vous adapter suivant les decks que vous rencontrez. Réseaux sociaux du coup je vous dis dans la description. Twitch, Valpel Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas. C'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.